Bonjour à toutes et à tous, je suis Mamitwink et je suis en compagnie de Zekaria. Salut les amis. Pour une nouvelle vidéo d'Hearthstone, une bataille inutile. Aujourd'hui, on va faire une bataille de Paltrès. C'est la légendaire du prêtre qui invoque une légendaire aléatoire lorsque vous utilisez votre pouvoir héroïque. Le principe est simple, on va chacun avoir une Paltrès et chaque tour faire notre petit pouvoir héroïque. Bien sûr, on ne peut pas attaquer la Paltrès, oui, on peut pas. Bien évidemment, c'est normal. C'est que je propose qu'on ne puisse pas attaquer avec elle non plus. Oui, donc en fait, c'est la carte morte. C'est un peu le chroniqueur chaud de nos batailles de portail, on va dire. Elle est morte, elle reste là en place. On l'a pas endorée, donc ça va être un petit peu plus compliqué à suivre. Mais l'idée, c'est que là, concrètement, la carte que a Mamitwink sur le terrain, les cuillères d'argent, elle ne sert à rien. Je propose que si on chope un deuxième manipulateur sans visage, on ne reduplique pas la Paltrès. Le mec, il commence bien. Oh, j'ai la carte la plus cheatée de l'univers. Oh, j'ai la carte la plus cheatée de l'univers. Allez, suspense, allez, un petit Sir Finlay, s'il vous plaît. Pas mal, tu devrais pas être déçu. Pas trop mal, ouais. Ah ouais, mais du coup, tu vas me la... Tu es, tout à fait. Ah, mais c'était un bâtard. Ouais, un gros enculé, même, on dit. Oh, ou pas! Ou pas! Ou pas! Chatos, Mac Chat, le roi de la chatte, les amis. Oh putain, on rappelle cette carte, Martin. Oh putain, c'est fou. C'est vrai, t'es pas trop deg? Ah bah, je suis deg à fond. Coucou. Coucou, Polvar. Mais non, les amis, c'est pas normal. Qu'est-ce que je récupère? Ça va, j'ai pas des sorts. Pour le moment. Pour le moment. Ouais, je suis vraiment désolé, Zeka. Là, c'est vraiment chaud pour toi, quoi. Là, j'avoue que c'est pas cool. Ah, j'ai de la peine pour toi. Allez, je vais même t'encourager. Une bonne légendaire, s'il vous plaît. Ah bah, ça va. Quel bâtard. Bah quoi, quel bâtard? T'es pas mort au prochain tour? Ah ouais? Bah si, je suis mort. Mais non, t'es pas encore mort, Zeka. Allez, à moins que j'ai Roi Crush. Ouais, à moins que t'as Roi Crush, t'as dit Roy Jenkins. J'ai que des cartes abusées, putain. Oh là là. Et franchement... Ah ouais, mais putain, oh, si je la tue, elle revient avec mon clé d'if. Elle revient, ouais. Avec mon clé d'if. Allez, tu m'as saoulé, j'arrête. Allez. Mais non, t'as même pas fait pouvoir héros. Je m'en fous. T'as même pas fait pouvoir héros. Je pouvais pas gagner, y a pas de... Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la revanche. C'est reparti, c'était Zekaria. Il va essayer de se rattraper. On est reparti, les amis, comme je suis un grand seigneur. Je laisse Zekaria commencer, il a commencé avant, mais bon, hein, je l'ai violé. Donc, honneur au perdant. On a quand même du respect chez Mamitwink. À mal au boule. Allez! Oh non, me voici! Bonjour Mamitwink! Bonjour Mamitwink, bonjour! Moi c'est Roi Crush, enchanté. Ah putain, là t'as de la chance quand même. Hein. Ouais, je vais pas me plaindre, j'ai eu tellement de chance avant. Et là, tu chopes. Oh! Là, il te servira à rien! Cette fois-ci, je vais changer le cours de l'histoire, les amis. Ça ne se repassera pas comme ça. Deux fois d'affilée, non, mais là, deux fois d'affilée, t'as la chance. Putain, il aurait pu venir en deuxième, quoi. Ça, c'est pas de chance, quoi. Ouais, une 4-4, super, c'est de la merde! Oh putain, mon petit Kel'Thuzad! M'en fous, j'ai le Roi Crush, on a tué Kel'Thuzad, la menace a disparu, je répète, la menace a disparu! Et là, il repop. Non, ça va. Oh putain, bon, j'ai des doubles. Oh la partie de fou! Alors, la petite légendaire, la petite légendaire. Allez, Sir Finlay. Bon, vas-y, vas-y, venge-toi qu'on passe à la belle! Là, ça me saoule. Vas-y, en 3 tours, tu me bats, quoi. En 3 tours. Ah bah, je peux rien faire. Non, tu peux rien faire. Ah, moi, non, à la kir, ça peut-être... À la kir, ça te permet de tuer le crush, mais ça ne suffira pas. Super, bon, allez.
Salut, salut Osef. Allez, allez, on passe vite à la belle. La vidéo Hearthstone la plus rapide du monde. Allez, c'est gars. On va pouvoir faire des BO 40 avec ça. Non, mais je fais pas une dernière légendaire pour le plaisir. Ah bah. What the fuck? Non, mais vas-y. C'est cocasse. Double gros mâche. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ok. Allez, on te retrouve dans quelques instants. Allez, c'est parti, pour les la gars. Belle. Et c'est reparti, les amis. Et c'est la belle. La belle. Puisque mamie m'a défoncé sur la première, mais je l'ai violée sur la deuxième. C'est la belle, la troisième. Paîtresse qui est posée. Je pense que c'est vrai que t'as fait le rape exceptionnel, quoi. Bah, disons que double gros match crush, j'ai rarement connu plus brutal. Allez, j'ai perdu, j'ai donc le droit de commencer et je commence tranquillement par... Par Sir Finlay. Et ce qui est génial avec cette bataille, c'est qu'on la voit apparaître, on entend le son avant qu'elle n'apparaisse. Du coup, on peut la deviner. On peut la deviner. Et là, je suis plutôt content. Il manquerait plus qu'un petit genre Antolidas. 7-7 contre 7-7. Sauf que toi, tu récupères des missiles des arcanes. Hein. Là-dessus, le râle d'agonique est complètement supérieur à toutes les autres mécaniques, surtout le cri de guerre. Ben voilà! Voilà les amis, je n'ai point misplay, je n'ai pas de trade avant, je vais face! Oh, en plus, je récupère une arme! Je récupère une arme en plus! Je récupère une arme! Ah, mais là, j'ai misplay, j'aurais pas dû me soigner mon Neptulon, j'aurais dû complètement me soigner. Oh putain, t'as pas de luck aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Ah là là, putain. Le mec, il dit qu'il est désolé, quoi. oui, je fais ça. Non, on fait pas silence, hein. Alors, attends, on va faire... on va pas faire ça, on va fake, hein. Allez, un petit Kekuzad. Allez, la Talnos aussi. C'est quand t'as vu ça? J'ai vu ça. Putain, j'ai tellement de chance, c'est pas possible. J'ai peur pour ma copine. Ta copine? Non, j'ai double paltresse. Oh putain, oh le truc de ouf. Attention, j'attaque avec mon gros serviteur. Ah, ça me saoule. Oh, je sais pas pourquoi il fait ça. Ah non, t'aurais pu tout jouer pour... Ah, j'ai pas le droit, on a non, pas le droit. Non, non, on a pas le droit de manipulateur sans visage, les amis. Bah oui, sinon j'aurais déjà double manipulateur ton Tyrion tout à l'heure. Allez, je vais quand même faire ça pour le plaisir. Allez, suspense. Allez, une autre paltresse. Ah putain, que des sales gnomes. Ah non, j'ai pas gagné, Zeka. Eh si. Il me reste... J'ai 12. J'ai pas 13. Ah oui, c'est vrai. Mais je peux. Alors, il fait combien? Il fait combien 3G3 projectiles? Ça fait 9 points de dégâts. Qu'est-ce que tu fais à la caméra? 9 points de dégâts. Mais je me trompe pas. 5 plus 7 plus 5, 12. On n'a pas le droit d'attaquer avec les pas. Ah si! Prêt. Est-ce que j'ai le droit d'attaquer avec celle qui est invoquée? C'est ça la question. Avec la paltresse que j'ai invoquée. Normalement, moi je dirais oui. Mais non, mais bien sûr j'ai compté 5 plus 12. Mais la règle, c'est on peut pas attaquer avec la paltresse. Mais c'est pas grave, elle est invoquée d'une paltresse, donc j'ai le droit. Et c'est le létaler, c'est la victoire! Que dire? Bravo, franchement, c'est fun. C'était vraiment génial. Les amis, c'est excellent. Si vous avez pas le tresse, vous et un pote, éclatez-vous. C'est très rapide, mais c'est très fun. Franchement, bataille de pas le tresse, je recommande. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle bataille inutile dans Hearthstone. Salut les amis, à bientôt. Je vous traquerai.